La méditation de ce 30 mars est intitulée « Une expérience profonde et vivante ». Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Hébreux 2, 3. Je vis que nous ne devions pas retarder la venue du Seigneur. L'ange dit « Préparez-vous ». Préparez-vous pour ce qui doit survenir sur la terre, que vos œuvres correspondent à votre foi. Je vis que notre esprit doit s'appuyer sur Dieu, que nous devons exercer une influence en faveur de Dieu et de sa vérité. Nous ne pouvons honorer Dieu si nous vivons dans la négligence et l'indifférence, ni le glorifier si nous nous laissons aller au découragement. Nous devons travailler à notre salut et à celui des autres avec ferveur. Voilà ce qui doit passer avant tout. Je contemplais la beauté du ciel. J'entendis avec ravissement les chants des anges proclamer louange, honneur et gloire à Jésus. Je pus entendre vaguement percevoir l'amour prodigieux du Fils de Dieu. Il abandonna toute la gloire qui était la sienne dans le ciel et fut si désireux de nous sauver qu'il accepta avec patience et humilité les outrages et le mépris dont les hommes le comblèrent. Il fut frappé, meurtri, brisé, puis on le crucifia sur le calvaire où il souffrit la plus atroce des morts, afin que nous soyons lavés par son sang et que nous ressuscitions pour vivre avec lui dans les demeures qu'il est allé nous préparer. Là, nous jouirons de la lumière et de la gloire du ciel et nous unirons nos voix au chant des anges. Je vis que le ciel tout entier s'intéresse à notre salut. Et nous serions indifférents. Allons-nous ne pas nous en préoccuper comme s'il s'agissait d'une affaire de peu d'importance? Allons-nous mépriser le sacrifice qui a été accompli pour nous? Un livre nous a été donné pour guider nos pas sur le sentier qui, de ce monde de ténèbres, conduit au ciel. Il nous apprend comment nous pouvons échapper à la colère divine, nous parle des souffrances que le Christ a endurées pour nous, du grand sacrifice qu'il a consenti afin que nous soyons sauvés et que nous jouissions éternellement de la présence de Dieu. Une forme de piété ne sauvera personne. Tous doivent avoir une expérience profonde et vivante. C'est la seule chose qui les sauvera dans le temps d'angoisse. Amen. Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.